Good morgen, allez, Iden et Sus, aujourd'hui, la Lunish Mat, Janine Ruth, Bat Fortune, Mazal Fritna, Lechaya, Bat Mazal Tov, Lucienne, Bat Reina, et Claude Shlomo, Bat Shalom. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles, nous étions Maserhet Gitin, Perek, He, Mishnah Zain, Cheresh, Romez, Venirmaz, Ben Betera, Omer, Kofetz, Venikpatz, Bametaltelin, et Kofetz, Venikpatz, Bametaltelin, Apa Otot, Mikran, Mekar, Omemkaran, Memkar, Bametaltelin. Encore une Mishnah avec les Tikkun HaOlam, les décrets que Rachamim ont fait pour le fonctionnement du monde, le bon fonctionnement du monde, avec à présent les actes d'acquisition des sourds et des enfants. À savoir, pour faire un acte d'acquisition, donner ou vendre, ou acheter même, et alors il faut avoir un date, une conscience bien nette, bien claire, ne pas être... Il y a des halakhot pour définir exactement quel niveau de date requis pour pouvoir faire un acte d'acquisition. En l'occurrence, on a le sourd qui est normalement exclu de ça, il n'a pas, un date entier. Et on a aussi l'enfant qui n'a pas aussi un date entier. En l'occurrence, un sourd, par exemple, ne pourrait pas vendre, divorcer une femme même, se marier avec une femme. Du point de vue de la Torah, d'ailleurs c'est important de le dire, du point de vue de la Torah, un sourd ne peut pas marier une femme. Chachamim ont instauré qu'il a un mariage des Rabbanan, et donc acquérir, et aussi il peut même aussi divorcer la femme qu'il a acquis. Mais des Rabbanan a divorcé aussi avec un guet, mais des Rabbanan. L'enfant, lui, il ne peut pas marier, ça on le sait déjà, sauf la petite sœur par les grands frères, toute une histoire, mais il ne peut pas non plus vendre ou donner. C'est fréquent, d'ailleurs, si jamais, un enfant qui m'a vendu quelque chose pas cher, il a le droit de venir d'annuler le mécar en prétendant qu'il n'a pas de date, et qu'il est sur le coup, il s'est laissé emballer, mais finalement, il regrette, il n'est pas du tout d'accord, et il annule la vente, alors qu'un adulte ne peut pas faire ça, bien sûr. Et la question est de savoir, à partir de quand un enfant, il est considéré comme ça aussi. On commence la Mishnah avec Cheresh, le sourd, Romez Venirmaz. On a un problème de communication. Rami m'a instauré qu'il peut vendre. On peut faire des acquisitions, mais comment est-ce qu'on communique avec lui? Alors la réponse, elle est que Romez Venirmaz. Il fait des allusions et on lui fait des allusions. On fait des signes. Avec les signes, en fait. Les mimes avec les mains. Ben Betera Omer, Kofetz Venikpatz, Bametaltelin. Ben Betera me dit, non, il peut aussi Kofetz Venikpatz. Alors on parle d'être Kofetz P, Kofetz Apia. C'est faire des signes avec la bouche. D'accord, mais sans faire des signes. C'est un niveau encore plus simple. Faire des signes avec les mains, c'est quelque chose de beaucoup plus défini que de faire, de prononcer, de lire sur les lèvres. Et donc, tout ça, c'est que pour la vente de métaltélin, de biens immobiliers, de biens mobiliers. Les biens pour les biens mobiliers, Rami, on dit, ça suffit, ce date. Pour vendre les biens immobiliers, il ne peut pas les vendre, et on est bloqué. Peut-être que je vous évoquerai à la fin de la Mishnah une histoire qui s'est passée récemment, et qu'il n'y avait pas de solution concrètement. Donc ça, on a fini pour le sourd, en rapport avec la vente des métatélines, et je vous ai dit, il y a une marloquette dans la Gemara, est-ce que c'est le même statut aussi pour donner le guet? On parle essentiellement en tout cas de vente et d'acquisition de métatélines. Métatélines, les biens mobiliers. Ensuite, deuxième sujet, maintenant, à Paotot. À Paotot, c'est le petit enfant, Paout. Et on va après expliquer quel type d'enfant exactement. Mikran Mekar ou Mimkaran Mekar. Ce qu'ils vendent, ce qu'ils achètent est un achat, ce qu'ils vendent est une vente, c'est validé. Bametaltelin, uniquement dans les biens mobiliers, mais pas pour les biens immobiliers. Pour les biens immobiliers, c'est assez complexe. Alors d'abord, je vais définir c'est quoi un paout. Un paout inodil barmenora, c'est quelqu'un qui a entre 7 et 8 ans s'il est fin d'esprit, et si jamais c'est un enfant plus simplé, alors il faudra attendre l'âge de 9 ans pour qu'il puisse donner. À partir de 9 ans, si jamais il vend des biens mobiliers, il vend des choses qui lui appartiennent, alors s'il a déjà atteint les 9 ans selon tous les avis, c'est sûr qu'il ne peut plus ensuite réclamer sa vente dans la mesure où il a même instauré que ça marche. Pour vendre les biens immobiliers, c'est plus compliqué. Ça dure jusqu'à l'âge de 13 ans ou 20 ans. 13 ans pour les biens qu'il a acquis, il peut acquérir des biens immobiliers, il peut acheter une maison et après... et peut ensuite la revendre. Mais si jamais c'est un héritage qu'il a reçu de son père, ou peu importe,
il ne peut pas les vendre jusqu'à l'âge de 20 ans. D'accord? Pour les biens qui viennent de son père. Et si déjà, je vous avais promis une petite histoire, alors une histoire concrète qui s'est passée dans un Beit Din, une histoire très très triste. Il y avait un homme qui habitait dans un quartier, beau quartier de Yerushalayim, Shari Chesed, vers Rechavia. Il avait une maison, il avait une femme et un enfant. D'accord? Il était propriétaire de sa maison et il avait comme famille une famille très faible, juste un arrière-cousin qui habitait à Tel Aviv, quelqu'un qui n'est pas du tout religieux, ils n'ont presque aucun contact concrètement avec lui. Figurez-vous, l'histoire triste qui s'est passée, c'est que cet homme-là est décédé. Bon, alors vous allez me dire, sa femme, elle a reçu, selon la législation, même si c'est discuté, mais en tout cas, en général, les rabbins le disent, elle reçoit la moitié de la maison et l'autre moitié appartient à son fils. Son fils, le pauvre, il avait 12 ans. Et ouais, il avait 12 ans, c'est à peu près ça. Et le pauvre, on lui a découvert la maladie terrible. Donc maintenant, d'ici peu, il a maintenant la deuxième moitié de la maison qui lui appartient. Le pauvre, il va mourir. Il aurait bien voulu tout céder à sa mère pour donner au petit cousin qu'on ne connaît même pas de Tel Aviv, qui n'est même pas allé savoir qu'est-ce que... Et malgré tout, je crois que concrètement, on n'a trouvé aucune solution pour pouvoir faire qu'on allait, tant bien que mal, récupérer au moins une partie de cette demi-maison de plus de 2 millions qui va arriver à quelqu'un complètement laïque de Tel Aviv qui n'a pas de rapport, ça va lui tomber. Au lieu qu'il aurait voulu la donner à sa mère, concrètement, il n'a pas de possibilité de le faire. D'accord? Après, je ne sais pas si toutefois, je ne connais pas le psaume du Bodine, est-ce qu'on a trouvé quand même une certaine faille pour pouvoir faire qu'il puisse, tant bien que mal, au moins sauver quelques pots cassés, mais concrètement, le principe, vous avez compris, parce qu'un enfant ne peut pas vendre les biens immobiliers. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.